La soirée aujourd'hui a au moins a plusieurs ambitions. Certainement de fournir un éclairage factuel avec des informations. Et on a un panel d'orateurs qui ont des choses intéressantes. Je vais les présenter à l'instant, des choses intéressantes à nous rapporter de première main, souvent, de ce qui se passe, ce qui se passait à Gaza, souvent avant, juste avant parfois, la dernière agression d'Israël. Deuxième objectif de ce soir, c'est aussi certainement d'échanger, j'allais presque dire de se retrouver autour de cette question qui a fait l'objet d'une manifestation, et la question c'est aussi la manifestation et après. Et dans ce et après, il y a sans doute une troisième ambition de cette soirée, c'est de construire quelque chose qui ressemble à une réplique, à une approche de protestation organisée par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Alors, vous dire déjà que nous sommes en train... Maintenant, je vais revenir un petit peu sur le dernier bombardement, parce que j'ai toute ma famille qui habite encore à Gaza. J'ai beaucoup de proches, des amis qui sont sur place. Donc j'étais en permanence en contact avec eux, téléphone, pour avoir de nouvelles. C'est surprenant de voir quand je les ai invités au téléphone, n'ayant pas électricité, ils n'avaient pas accès à l'information pour suivre ces stages. Ils m'attendaient des bombes, mais ils ne savaient pas où s'attendaient. Donc on m'a demandé de suivre les infos et leur dire par la suite quel village ou quel quartier a été touché. C'était un exercice très difficile parce que chaque quartier, ça valait des gens qui habitent dedans. Il y avait aussi beaucoup de... Je pense, pendant les derniers événements, il y avait à la fois la guerre militaire, et en parallèle, il y avait une guerre médiatique. On a essayé de former des événements dans les médias. On a essayé de transformer la résistance d'un peuple contre l'occupation en une guerre contre le terrorisme. On parlait des fois des heures de presse quotidiennes pour permettre à l'aide humanitaire d'accéder. Les gens qui avaient sur place au téléphone me disaient que ça n'a pas été respecté. Le prétexte qui a été avancé, que la trêve ne concernait que le centre de Gaza, qui se trouve évidemment au centre. Pour y accéder, il faut passer par les frontières et les régions autour. Ça a rendu la trêve impossible à être efficace. Et après, enfin, il y avait l'utilisation de la posture blanche qui a dévoilé. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui, une série d'associations, et en France, en Belgique, ont porté plainte pour crimes de guerre. Parce que vous savez que aujourd'hui aussi, on nous dit phosphore. Ce sera la dernière chose que je vais vous dire. On nous dit phosphore et on nous dit bombard fléché. Et moi, je ris aussi parce que dès le début de l'intifada, les bombards fléchés, on les a vus. Hein. Que dans les dernières incursions et que au Liban, puisque tout ça, moi, je pense que le Moyen-Orient et Gaza particulièrement sont un chouette laboratoire pour les USA et pour les Israéliens, surtout leur part. On a déjà parlé d'armes à l'uranium appauvri. Aujourd'hui, quand même, on a fait un pas. Les associations ont porté plainte auprès du tribunal international de la Haye et trouvent qu'on peut être d'autres moyens, mais des organisations comme Amnesty International, qui ne sont pas non plus toujours à la pointe, parlent clairement de crimes de guerre. Donc je crois que maintenant aussi, il va falloir arrêter d'être prudent et de dire « Oui, enfin, c'est pas bien, c'est trop fort, c'est je ne sais pas ». Non, il s'agit clairement de crimes de guerre, et je crois que ça va beaucoup plus loin que crimes de guerre. Il s'agit réellement d'une volonté d'éradiquer le peuple palestinien. Vous me direz, il reste toujours la Cisjordanie. La Cisjordanie, si vous regardez la carte, et si vous voyez ce qu'on y fait, il n'y reste plus grand-chose. Vous avez un tas de conflits, de gens qui ne peuvent même pas se lier entre eux, et donc vous avez aussi une perte. Alors je voulais simplement vous montrer cette carte, qui est la carte des bombardements. Alors vous voyez que c'est le nombre de bombes par kilomètre carré et d'autres que vous avez. Vous voyez que ils ont été gentiment arrosés. C'est une carte sous-traitante. Et ceci montre aussi, quand ils disent qu'on n'a pas ciblé les populations civiles. Alors, si on connaît la bande
ne pas très bien comment on fait. C'est ce qui permet d'ailleurs dernièrement aux Espagnols de mettre aussi devant le tribunal M. Dan Anout, déjà pendant la deuxième ministrada, en plein quartier de Gaza d'Arras, a lancé une bombe du temps, une bombe du temps, sur une maison pour tuer un chef du Hamas. Pour marquer aussi que quand tu les gens du Hamas, ils sont tous chefs. Hein. À mon avis, il n'y a pas de soldats dans cette armée-là, parce que c'est toujours des chefs ou des grands coordinateurs. Je pense que, d'abord, on doit avoir un langage clair. Donc il faut commencer à dire les choses comme elles sont, c'est une première chose. Ça sera déjà avancé, même s'il y aura des oppositions. Et la deuxième chose, je pense qu'on peut prendre des mesures qui sont aussi des mesures juridiques. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire de manière très claire et très positive, et que si nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, alors c'est aux citoyens à prendre leurs responsabilités, à boycotter par exemple les produits israéliens ou à faire d'autres actions. Bon, la question du lobby, on verra peut-être dans la discussion. Je voudrais simplement tirer deux petites conclusions concernant, puisqu'on m'a demandé ça aussi, qu'est-ce que ça implique pour des militants qui luttent pour une paix juste au Proche-Orient. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution à court terme, mais ça, je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que dans ce conflit, la lutte idéologique et médiatique est fondamentale. Je pense qu'une bonne connaissance de l'histoire du conflit, et tout particulièrement des circonstances dans lesquelles l'État d'Israël s'est créé, est nécessaire pour combattre dans l'opinion publique les représentations sionistes qui sont dominantes de l'histoire du conflit. Hein. Donc, représentations dominantes, celles qui font d'Israël une victime innocente qui ne fait que se défendre contre de méchants arabes ou musulmans antisémites, mais aussi les mythes fondateurs du sionisme, tels que une terre, un peuple pour un peuple sans terre, ou le mythe de l'acceptation du plan de partage de 1947 par les dirigeants sionistes. Hein, ça, c'est un mythe très répandu, ou celui du départ volontaire des Arabes de Palestine en 1948, et aussi le mythe du retour des Juifs sur leur antipatrie. Hein. Il y a un livre très important, on l'a dit, qui vient de paraître, le livre de Shlomo Stern, comment le peuple juif fut inventé. Il va d'ailleurs venir à Bruxelles, malheureusement, c'était prévu dans deux semaines à l'UPJD, mais pour des raisons de santé, ce sera reporté, mais on espère dans quelques semaines. Voilà. Je pense qu'il faut refuser deux thèses avec force. Bien sûr, l'idée que les antisionistes sont tous des antisémites, hein, qu'on nous appelle tout le temps, sans arrêt. Alors, autrement dit, les gens qui veulent que l'État d'Israël, qui continue à exister, devienne un État normal, démocratique, c'est-à-dire un État de tous ses citoyens traités sur le même pied, ça c'est des antisémites pour des sionistes. Moi je dis que c'est des antisionistes, c'est pas la même chose. Une autre thèse chère aux sionistes dites de gauche, c'est que pour parvenir à la paix, il faut d'abord convaincre l'opinion publique israélienne que l'échange de territoire contre la paix est la solution. Donc, évitons de leur faire peur par des prises de position agressives ou par appel au boycott. Moi, je dis deux choses. D'une part, subordonner l'obtention des droits des Palestiniens à l'évolution de l'opinion publique israélienne est d'abord inacceptable d'un point de vue moral. Hein. Le changement de mentalité des Israéliens ne peut pas être une condition pour rendre justice aux Palestiniens. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je pense que c'est une position tout à fait irréaliste. Parce que l'idéologie sioniste ne sera pas ébranlée tant qu'Israël bénéficiera d'appui énorme à l'extérieur qui ne le pousse pas à se mettre en question. Je pense par conséquent que donc, ce travail idéologique est très important. Je pense qu'il est aussi important de poser des actes publiquement et de le faire connaître dans le public, comme la campagne boycott des investissements, BDS, sanctions, hein, donc, qui n'a de sens que si elle est accompagnée d'un travail pédagogique. Donc je le dis en passant, mais je pense que c'est très important ce genre d'activité, même si ça n'a pas des conséquences économiques énormes dans un premier temps, mais c'est très important que des militants poussent ce genre d'actions qui sont assez citoyennes, symboliques, mais fortes, pour montrer qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour un citoyen simplement démocrate et qui rêve de justice et d'équité. Voilà, je m'en reste. En quelque sorte, bien respecté par nos démocraties. Est-ce que faut-il également boycotter toutes les associations qui se disent progressistes, sionistes de gauche, qui soutiennent l'État d'Israël et donc qui constituent des lobbies puissants auprès de nos politiques, et donc qui fait qu'on a encore aujourd'hui des armes à Israël. Donc comment
dans le milieu associatif, envisagez-vous un boycott intellectuel envers tous les milieux académiques, politiques et associatifs. Voilà. Voilà. Merci.